Les puissants royaumes des nains, que l'on croyait affaiblis, se dressent sous la bannière de leur haut roi. Bonjour à tous, c'est Panouf et nous nous retrouvons pour la suite de ma campagne avec Grombrindal. Dans le dernier épisode, je crois qu'on avait confédéré avec Caracazul, si mes souvenirs sont exacts. J'avais plus assez d'argent pour construire quoi que ce soit d'autre. Et je peux commencer à recruter des choses très, mais alors vraiment très intéressantes. Avec une modernisation massive de mes unités. Grâce à ce bâtiment. Où en fait je peux faire des brise-fers. C'est une des meilleures unités du jeu. En fait, c'est la meilleure infanterie du jeu. Globalement, imaginez-vous un tank qui aime jouer avec un soldat aussi résistant qu'un tank qui adore jouer avec de la dynamite. Vous êtes dans le vrai. Et là, je gagne par contre très peu de sous, seulement 2800. Et j'ai une armée qui ne me sert absolument à rien ici. Que l'on va dissoudre. Cazador, est-ce que j'ai à recruter quelque chose? Lui, je dois lui faire gagner. Deux rangs. Et ici, je voulais... découvrir un peu l'Estalie et la Tilée. Oula! Ils se sont étendus ceux-là! Qu'est-ce d'or? Quoi? Oh, je m'intéresse pas pour l'instant. Coûte 265 en entretien. Je préfère recruter des troupes d'élite. Merde. Non, c'est bon. Donc il faut que je batte Morgul Traître. Ah, ça marche pas du tout. Alors, que deux armées actuellement.
Oula! Oula, ils sont dans la merde maintenant, le gros. Non. Alors, ils sont en train de mettre assiéger les mines de fer noir. Oui, ils sont en train de se taper entre eux. Mais ça suffit les entraves là? Sérieusement? Il se fait entraver à tous les tours le mec. À un moment, faut arrêter. La mine de Père Noir, c'est où je suis le mieux défendu. Il va forcément sortir à un moment. Karsnik, une wag. Il y a quoi comme défense ici? Oh, ça va, il va tenir. C'est tant mieux pour lui, hein. Oui, il va tenir largement. Je suis en train de rechercher l'autonomie des bastions. Parfait. Tout le monde me valorise les guildes, tant mieux. Que veut Karak Kadrim? Une alliance militaire contre la tribu Goromni. T'es prêt à payer combien? Alors, le siège de Dringora 4 par ce mec. Alors, c'est beau, mais ça va pas durer longtemps. Il a 519 PV. Il faut juste qu'il ne s'échappe pas.
sens qu'il va se faire tuer à une vitesse. Il y résiste bien quand même. J'ai envie d'observer ça. Donc, cette armée est terminée. Et deuxième bataille, les imbéciles mutants de la Lune Crochue. Celle-là, je... Je pense que je la gagne, de toute façon. Mais comme il n'y aura pas tellement d'autres batailles, on va la faire. Alors donc j'ai un général, un sorcier, trois orques costauds, un boys orc, beaucoup de gobelins de la nuit attirés en priorité, donc beaucoup d'infanterie. Cette armée commence à être vraiment vieille, je trouve. Je suppose qu'ils doivent avoir de la cave. On va laisser une armée. Hop, et on y va. Logiquement, c'est eux qui doivent venir. Bon, Mandal, il n'a pas de... D'accord, bon, Mandal n'a pas d'artillerie.
avez le droit de courir. Et donc on va bombarder un peu tout ça. Deux et demi, les mecs. Bon, je pense que je vais pas gagner grand chose de plus. J'ai perdu une centaine d'hommes, ils en ont perdu 400, c'est pas énorme. C'est surtout la catapulte qui a fait beaucoup de kills. Et donc la lune crochue, c'est terminé. Non, on va commencer à moderniser franchement les troupes. En recrutant des brise-fers. Pas de grosses menaces actuellement, je suis en guerre contre qui ? Que juste contre Temple of et couverte. Le recrutement attendra.
Je gagne 5000 par tour. Alors j'ai fait un nouveau mode, vous voyez j'ai 2 points de compétence. Hein. On va prendre la puissante barbe de défense. Je vais venir ici voir si tu me détectes quelque chose. Oui, tu m'as détecté. Il est temps que tu te ramènes ici. On passe le tour. Ah, Gringor vient m'emmerder. C'était sûr. J'ai tort, Grim. Alors ça s'appelle... Hein? Oh non, pas Terra Zakarak. Non, là, vous faites chier. Logiquement, il devrait m'attaquer. Bon, on passe le tour. Que font les peaux vertes? Ils m'attaquent. Oula, 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 oula. On sera plié. Alors, je comprends pas ce rapport de combat parce que Gringor, ok, il est niveau 7, mais il est pourri. La rune qu'il a, il fait plus mal, mais il a que 1600 PV, donc c'est pas vraiment un gros problème. Les orques noirs, ils sont quand même pris assez cher, tout comme les costauds. Et les trolls, ça va s'enfuir vite. Donc ça devrait plutôt bien se passer.